tout le monde, c'est Serge, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Battlefront 2, donc on est sur la campagne, on se retrouve pour la quatrième mission qui se nomme l'Observatoire. Alors l'agent Delmeco reçoit l'ordre de détruire un observatoire avant que les rebelles ne trouvent les dangereux artefacts qui renferment. D'accord, on aura plus aidé. Ouais, on va jouer, c'est Luke Skywalker ça je crois. Allez c'est parti. C'est peut-être un explorateur. Skywalker, man. Maniant la force et le sabre laser avec aisance, Luke Skywalker est toujours en première ligne. Cette dextérité lui permet de fondre sur ses ennemis tout en évitant de subir des dégâts. C'est puis on charge. Ok bon, on connaît la force. Hop, c'est parti. Planète Pilio, planète reculée sauvage à la frontière du système Ginata. Puis au recense, c'est un océan sentient plus de 3 millions d'espèces. Canyon Corée abrite un écosystème luxuriant. Ok, en gros, c'est pratiquement que de l'eau. On va voir ce que ça donne. Alors, je fais un petit peu de place sur mon bureau en attendant. Hop, le Corvus QG de l'escouade Inferno. Je vous laisse regarder un petit peu la cinématique parce qu'il a bugué. L'amiral nous a demandé de localiser une installation impériale secrète sur la planète Pilio. Un endroit appelé l'Observatoire. Apparemment, l'Empereur y aurait entreposé des artefacts qui pourraient être utilisés contre nous. En raison du danger qu'il représente, l'amiral souhaite un déploiement minimal. Une escouade, un seul agent. Dès en temps normal, j'accomplirai cette mission moi-même. Mais... pourrait s'avérer utile pour... Localisez l'observatoire et détruisez tout ce que vous y trouverez. Ici, ce que j'ai senti cet endroit doit cacher quelque chose de spécial. Tu restes ici, R2. Ok, c'est plus rapide, bon, c'est la troisième fois qu'il passe devant moi. Tu veux dire qu'ils ont pas vu mon vaisseau, bon. Ah, ouais, ce qui est dommage, c'est vraiment que... Attendez, je regarde. Ok. Ouais, ce que je trouve dommage, c'est vraiment qu'ils aient... enfin, si je peux mal optimiser les cinématiques. Hein. Ok. L'Empire va nous rechercher. Je dois comprendre pourquoi c'est là. Et voilà. Allez, on y va. Voilà. Je dirais que l'Empire cherche quelque chose. Ouh. Allez, on fonce. Et voilà les renforts qui arrivent. Voilà. Oh
Je vais te chercher, j'arrive. Ah, il est bizarre, c'est le pilote. Hop. Dégage. Hop. Boum. Ce n'est pas ce que je voulais. Bah si, maintenant c'est fait, hein. Ils doivent pas voulu se rendre, on les a tués, hein. Allez, on y va. Il y a quelque chose là-dessous, c'est... contre nature. C'est ce qui m'a appelé. Peut-être était-ce quelque chose d'autre. On dirait bien que je ne suis pas le seul à vouloir me débarrasser de l'impure. Hop. Nickel, alors un petit bug, j'espère qu'il fera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui êtes-vous? Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Bon, j'ai préféré passer parce que là c'était vraiment affreux. Je vais voir si on peut avoir le point de passage. Dernier point de passage, hop. J'espère juste que ça nous montre la cinématique. Ah dommage, non, bon, tant pis. Quelque chose. Moi également. C'est la force qui nous a réunis. Sacré coup de chance. La chance n'explique pas tout. Ah oui, la force. C'est ça qui vous a permis de tuer mes hommes? Ou c'est grâce à ce sabre laser? Je suis désolé. Que je pensais. Alors pourquoi ne pas m'avoir tué? Ils ne m'ont pas laissé le choix. Quoi? C'est pas faux, ça. Les insectes! Protège-moi et je te protégerai. Oui, j'ai pas vraiment le choix. Mais pourquoi ces trucs nous attaquent? Ils sont en colère. On est chez eux. Vous savez que je fais du baseball, tu sais. Cette ambre, on dirait du béton. Il durcirait presque au toucher. Ça se brise aussi au toucher. C'est là. On se rapproche de l'observatoire de l'ombre. Alors c'est pour ça que tu es là. Ne vous en faites pas. Je suis là pour le détruire. Un instant. L'observatoire est protégé. Je ne désarme pas le système de défense, cette caverne va partir en fumée, et nous avec. Mince. C'est couvert d'ambre. Je vais dégager le terminal. Ah ça, ok, autant pour moi. Bon, ça va, heureusement qu'ils parlent entre eux et qu'on sait ce qui se passe. Hein. Le système de défense est activé. Le compte à rebours est officiellement lancé. Mon système de défense perturbe la faune locale. Je crois qu'on réveille les insectes. Je vais les retenir. Continue. En voilà d'autres.
ça fait bugger le jeu. Ça va l'air d'être bon. À l'aide! Défends-toi pas, non? Ah, c'est énorme, attendez. Regardez les pieds, ils deviennent dégueulasses. Il reste 4 minutes avant. Que j'ai dans l'eau, hop. Par ici. Merci, je m'en occupe. Hop. Débarrassez-moi de ces insectes. Il nous reste 3 minutes avant que le système n'explose. Allez, vite. Ça y est, on est sauvés. Presque. On y est. Ça va voir de l'empereur. Vite, 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 vite. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais ces bestioles n'ont pas l'air d'aimer ça. Il n'y a rien sur cette porte. Comment je suis censé l'ouvrir? Avec la clé. Pourquoi l'empereur aurait-il une pièce qui s'ouvre uniquement à l'aide de la force? À ton avis? Vous insinuez que l'homme qui a détruit l'ordre Jedi en était un aussi? Non. Je dis que le petit garçon que vous étiez était effrayé par les mauvaises choses. Y a rien de dangereux là-dedans. L'empereur ne protège que des vieilleries. Ça ne vaut rien, tout ça. Peut-être pas tout. C'est quoi, ça? J'aimerais garder cette boussole, si tu veux bien. Ma mission est de détruire cet endroit, pourquoi je vous laisserai faire ça? Parce que je te le demande. Merci. Je ne t'empêcherai pas de détruire cet endroit. Mais tu ne crois pas que l'Empire a déjà fait assez de mal comme ça?
suis content qu'on nous ait réunis, Del. Alors c'est quoi le plan? On s'en va chacun de notre côté et on fait comme si rien de tout ça n'était arrivé? Je ne crois pas que tu puisses. Je ressens un conflit intérieur. Bien sûr que j'ai un conflit intérieur. Je ne suis pas aveugle. Je sais de quoi l'Empire est capable, mais... Que nous reste-t-il? Un choix. La rébellion? Non. Le choix de devenir meilleur. Que la Force soit avec toi. Ravi de vous revoir, Agent Miko. L'amiral a ordonné l'extraction d'un allié impérial sur ma planète natale, Vardos. La cible est la tutélaire Gleb, une fonctionnaire qui a autrefois formé l'agent Ask et moi-même. J'ignore le lien avec l'opération Cendre, mais je dois faire confiance à l'amiral. Rendez-vous sur Vardos. Vardos, forteresse impériale. Je pense qu'on va sûrement s'arrêter là. On va attendre de spawn et après on va quitter, voir où on en est dans les niveaux d'émission. Je pense qu'on a fini celle-ci. Et c'était bien sympathique. On va attendre d'abord de spawn. C'est le Dauntless. Le vaisseau qu'on a secouru sur Fondor, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il livre son chargement, il transportait tous ses satellites. Le Moffret a dit qu'ils étaient nécessaires pour l'opération Cendre. Mais il a refusé de nous donner la cible. Oui, tout comme l'amiral. Je sais pourquoi maintenant. Les satellites sont alignés, chef. Bien, excellent. Je ne vous ai pas appelé, commandant Versio. Est-ce que Vardos est notre cible? Oui, effectivement. Pourquoi? La planète et tous ses habitants, ils sont loyaux envers l'Empire. Ce sont les ordres de l'Empereur. Nous devons purger cette planète ainsi que plusieurs autres afin de répandre la peur et de rappeler à la galaxie tout entière qui commande. Il s'agit de notre foyer. C'est l'Empire, notre foyer, tu m'entends? Et nous nous en tiendrons aux ordres de l'Empereur. Je refuse d'obéir aux ordres d'un homme mort. Peut-être, mais en attendant, c'est à moi que tu obéis. Activez les satellites immédiatement. Mettez-vous en route pour Vardos immédiatement et récupérez la tutélaire Gleb. C'est votre seul et unique objectif pour l'instant. Ce sera tout. Voilà. Ce sera tout. Contactez l'agent Ask sur le Corvus. Et dites-lui que je dois lui parler au plus vite. Ok, bon. Hop, ça ne protège rien de bon pour le prochain épisode. On va donc s'arrêter là, comme je vous l'avais dit. On va stopper pour cet épisode. Si vous êtes... vous avez sûrement entendu rager. C'est mon coloc qui est en train de jouer, je pense, à Call of OBF sur Xbox One. Et du coup, les murs sont assez frais à la coloc, donc on entend tout ce qu'on fait. Ok, donc je disais, on va s'arrêter, on va regarder la mission, comment la prochaine mission, comment elle s'appelle, et on se quittera là, je pense. Par contre, ouais, le temps de chargement est assez long. Alors, je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas eu de bug là sur les autres cinématiques,
Et c'est après que j'ai fait le revenir au point précédent, enfin au point de rencontre, enfin voilà, au checkpoint, revenir au checkpoint. Du moment que j'ai fait ça, et après les cinématiques, elle est très bien. Donc je pense que ce qu'on fera, les premières cinématiques, bah, il y aura ce fameux bug, et après, pour les cinématiques, le temps de jouer, ça sera en moins. Ok, jouer campagne, choisir mission, ouais voilà, on arrive à la fin, la tempête. Je vous invite donc à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est tout le monde.